Bonjour et bienvenue ici, Lusty, bienvenue sur la chaîne de la Luxure. À God of War, Fantastique, Kratos et Atreyu, dans de nouvelles aventures. On est donc sur le lac et on doit passer donc cette porte ici, là, pour aller à la montagne là-bas. Voilà. Et alors, je ne sais plus du tout ce qu'il fallait que je fasse. Alors, j'étais un peu paumé. Regardons la carte vite fait. Alors si, il fallait que je fasse ça. Allez, affaire inachevée, je pense qu'il fallait que je fasse ça. Ouais, ça c'est l'atelier de briques et broc. Alors il y a plein de choses à faire sur ce lac, j'ai complètement oublié. Il y a donc des runes qu'il faut déchiffrer pour pouvoir ouvrir la porte. Et bah écoutez, on va faire ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bonjour la rune, ça ressemble étrangement à une rune que je dois, voilà. Et bon, on va faire ça. Allez, c'est parti. Bon, eh bien montons cet ascenseur. Qui marche toujours après évidemment des milliers d'années sous la flotte, ça marche toujours, hein. c'est très bien, ça doit être un ascenseur Schindler, je pense. C'est de la bonne qualité ça, oh, l'ascenseur Schindler. Mais alors qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah, j'ai mis ma main dans le truc. Oh là là. J'ai plus de vie les enfants, j'ai plus de vie du tout là. Je fais comment? Attends, j'ai pas un truc de... Normalement j'ai des ressources ou des machins, non? Ouais c'est ça. Mais je m'en fous de ça, allez. Pourquoi je ne peux pas? Très bien. Objets spéciaux, des pommes. J'ai rien pour mettre de la vie. Il me semblait que j'avais un truc là pour me remettre de la vie. Attends. Voilà, dégainer, volte-face, machin truc. Action intrigue, plagiat, interagir, machin truc. Ah c'est bizarre alors hein. C'est bizarre. Ouais non j'ai rien alors. Ah c'est chaud hein. Pourtant il me semblait que j'avais un truc quand même dans les compétences. Pas dans les compétences mais bon bah tant pis hein, écoutez les enfants. Et voilà, je suis mort, c'est triste. C'est la vie, c'est comme ça. C'est bizarre, j'ai pris deux coups, j'étais mort quoi. C'est louche. Moi je dis c'est louche. D'ailleurs un truc bizarre. Ah j'ai oublié d'appuyer en plus. Je suis fatigué, je ne sais pas. Non, ce sont des excuses tout ça. Ce ne sont que de viles excuses. Ah tiens, je reviens là. D'accord, alors. Carte mise à jour. Tiens, si on allait d'abord. Bon, tant pis. D'accord. Et donc ça, c'est à peu près les mêmes runes que le. Ah, d'accord. Et là aussi. Je peux pas les lire non plus. Mais elles sont différentes des autres. Ouais, merci Atreyu. Tu sers à rien, Atreyu. Attends. Ah oui, c'est les runes que je peux utiliser. Je suis bête en fait, ça n'a rien à voir. Bon, bah, allons-y. Ah ouais, d'accord. Non, ne laisse pas ça ici. D'accord. Ok, c'est chaud. Fâche. La vache. Et je suis pas dans le mode de difficulté le plus difficile. Hein.
C'est ouais, c'est bizarre quand même. C'est bizarre, c'est normal que le truc de difficulté soit aussi faut croire. Hein. Mettre en rage. Voilà, allez, on va mettre en rage. Allez, je te fous tout. Et d'un, il m'a donné de la vie. Très bien. Et où sa vie est là. Voilà. Allez, amenez-vous, enfoiré. Raté. Ils font des dégâts de malade. Ah, mais c'est pas vrai, ça. C'est pas possible. Voilà. Attends, je vais prendre la vite fait. Voilà, ça c'est bon ça. Allez, dégomme-le. Ah non. Oh non, 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 non. Aïe, 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 mon Dieu. Qu'est-ce que je suis mauvaise. Qu'est-ce que je suis mauvais aujourd'hui, c'est pas possible. Bon. C'est vrai. Mais moi aussi je suis rapide. Amène-toi enfoiré. Non, c'est pas... Et voilà. On a terminé ici. Ta vache. Bah. Bon. Je l'ai balancé en bas en fait, non? Certainement. Alors. Bon. Non, non, toujours pas. Tant pis. Et donc c'est tout. Ah, attends, c'est quoi ça? Un accès mystique. Très bien. Pourquoi pas? Un sémier sculpté de bravoure, mais je m'en fous un petit peu en fait moi de ça. C'est infini leur, les apparitions là. On va essayer. Hein. Ah non. Et voilà. Ah, la poussière de royaume légendaire. Fantastique. Fermez les brèches du royaume. 1 sur 18. Bah, c'est pas gagné les enfants. Je peux pas les lire non plus. Mais elles sont différentes des autres. C'est pas gagné. Oh, il y a des bateaux partout ici, c'est fantastique. Bon. Allez, au suivant.
Tu me racontes une autre histoire ? Truc partout. Très bien. Mais je vais aller là. Il était un cheval. Un cheval qui cherchait à se venger de son ennemi, un cerf. Mais il ne pouvait pas tuer le cerf seul. Le cheval rencontra un homme, un chasseur, et fit un pacte. Assez. Les histoires sont pour le bateau. Nous devons marcher. Oui, père. Mais quel... Je sais qu'Atreyu m'énerve, mais quand même, Kratos, là... Ouais. Et voilà. Pour cela, il était facile. Quoi, c'est tout? Ah, on voit les autres. Parfait. Génial, je ramasse des petits navires, c'est fantastique. Ça, tu peux je pas peux non plus. Je peux pas les traduire sans le code complet. Sans le code complet. Là, il y a un bateau, mais il n'y a pas d'ascenseur. Bon. Bon, bienvenue dans Exploration du Nord. Simulation. On s'éclate. Allez, Kratos, on y va. Ça, tu peux pas aller là, toi. Mais il y a pas un truc à faire avec ces runes. Je sais qu'une partie de son corps se trouve ici. Quoi ? Pourquoi il serait pas au courant ? Il y avait sa tête. Faut le savoir quand même, non ? Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé après le pacte entre le cheval et le chasseur ? Il prit le mort et la bride de l'homme et lui permit de se mettre en selle sur son dos. Ensemble, ils tuèrent le cerf et le cheval savoura sa victoire. Mais le chasseur refusa de libérer le cheval et fit de lui son esclave. Très bien. Donc il a perdu sa liberté pour se venger. J'espère que ça valait le coup. Ce n'est pas le cas. Alors très bien, cette rune-là n'est pas allumée. On peut accoster ici. Oh génial, un coffre. Excellent. Quoi ? Mais c'est pas vrai ça. Voilà. Ah ! Un autre esprit. Viens voir ici. D'accord. Kovekia. Oh, des vilains babous. Mais les poings dans ma face vont marcher. Ah, oh, le pognon d'abord. Je ne me souviens même plus de la dernière fois où j'ai vu autre chose qu'une créature morte ou corrompue parcourir ces îles. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'était hier. La désolation, petit. Elle infeste ces terres et gagne en puissance à chaque hiver qui passe. En connais-tu la cause ? Je ne suis pas sûr, mais... je soupçonne l'apparition du serpent monde et la grande crue qui s'en est suivie. Beaucoup se sont noyés, dont moi. Les morts sont revenus à la vie peu de temps après. On peut
peux faire quelque chose pour Atreus. Vous Atreus, je désirais seulement parler à quelqu'un une dernière fois. Et vous avez exaucé mon vœu. Merci. Mais de rien. Ah, le vestige corrompu. Vestige mystique de Nam disparu en mer permet d'améliorer le manche de guerrier polyvalent. Ah, je vais astiquer mon gros manche. Alors, esprit libéré 2 sur 4, fantastique. Il y avait un truc à faire là-bas, mais alors, il y avait un coffre. J'ai vu un coffre. J'ai pas rêvé. J'ai vu un coffre de merde. Qu'est-ce qui m'emmerde ces coffres? Ah, vous pouvez pas imaginer comme c'est relou, quoi. Alors là, il y a deux runes. Où est la troisième? Je suppose que taper la première, ça va tourner le machin et ça fait apparaître la deuxième. Et la troisième, elle est dans ton cul, Lusty, hein. Parce que je la vois pas, là. Je la vois pas du tout. Bon, écoutez, essayons, on va déjà voir ce que ça donne, hein, les deux, là. Ouais, non, il faut prendre ta hache, abruti. D'accord. D'accord. Évidemment, c'est chronométré. Quelle horreur, mais quelle horreur, mais qui, quel est le cinglé qui a inventé ça, quoi? Quel est l'esprit, le torturé qui a inventé ce machin, quoi? Bon, on va faire celle-là d'abord, qui va normalement me donner pas trop de vitesse au truc. Ah, normalement. Aïe, 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 mais quel, c'est pas possible, ça. Oh non, je l'avais. Quoi? Bon. Bon, 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 bon. Attends, je vais essayer de la jouer rusée, là. On va voir. Je l'avais. Ah, que ça m'énerve. Mais c'est pas vrai, je tirais dessus. C'est scandaleux, ça. Ok, ça me gonfle. Là, c'est officiel, ça me gonfle vraiment. Alors, bon. C'est à... Il faut un peu en plus de précision, mais alors diabolique. L'âge qui ne vient pas de manière linéaire, c'est vraiment relou. Je l'ai eu, non? Ah oui! Ah oui! Ah, je l'ai eu! Ah! Ah! Putain, mais mon dieu! Mais le mec qui a inventé ça, il faut lui tirer dans la bouche, quoi. Et je... Ah, putain! Bon! Et Atreyu, tu peux pas m'aider, hein, évidemment. Ça sert à rien, Atreyu. Allez, du pognon. Bah. Allez, c'est parti. Désolé, hein, ça prend du temps, mais c'est vraiment relou. C'est super, super chiant.
Ah, merci Atreyu, tu m'as aidé à récupérer... ce... un autre morceau de code. Je vais essayer de les assembler. Ah, ben je me souvenais pas ça en fait, c'était des coffres, ouais. Le détail qui manque. C'est chiant quand on joue pas un jeu constamment. Allez, bon. Ça c'est fait, deux coffres de trouver. C'est super. Ben il n'y a rien d'autre en fait là. Ben on se casse. On se casse. Atreus, qu'est-ce que je t'ai dit sur le fait d'offrir de l'aide? De ne pas le faire. Exact. Mais on pourrait ce pas... Ce n'est pas un débat. Ouais. Tu dois apprendre à te concentrer. Notre voyage doit être ta seule préoccupation. Et s'il pouvait nous aider? Tu l'as semblé savoir des choses sur le lac. Et en quoi ça va nous aider à atteindre notre but? On saura pas si on ne demande pas. Mais alors, là la rune, elle est éteinte, donc théoriquement... Le serpent monde est même ici. Je t'avais dit qu'il on était peut pas grand. Y aller. Ah 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 ah, petit tonneau. T'as une autre petit histoire. Tonneau. Très bien. Et alors, il y avait l'histoire d'une grenouille. Du pognon. Leur mare ayant séché. Une grenouille et son fils partirent en chercher une autre. Mise à jour. Ils trouvèrent un puits. Le fils vit l'eau et s'apprêtait à sauter. Mais les histoires... Déjà. Nous continuerons plus tard. Les histoires, c'est pour le bateau. Ah, l'île de la Muerta. L'île de la mort. Il y a toujours une île de la mort dans les jeux. Ça vous gonfle pas, vous? Moi, si. Alors? Alors quoi? Le brasier? Si tu y tiens. Allez, on va le faire. Viens voir ici. Kveka. Direct, c'est parti! Mère appelait ça les ronces de L. Impossible à brûler ou à couper. Non. Ceux-là, ils sont pas résistants. J'ai encore beaucoup. Je comprends pas pourquoi les premiers étaient super lourds. Et là. Quoi? Que veux-tu? Vous remercier. Ces pillards morts m'ont noyé il y a de ça bien des hivers. Et j'attendais que quelqu'un vienne s'occuper de leur cas. Alors vous êtes mort après la crue? Oui. J'étais venu au lac des Neufs pour piller le temple de Tyr. Mais j'avais sous-estimé l'ampleur de la désolation. As-tu vu d'autres hommes? Vivants? Un barbu avec des tatouages? Seulement celui qui se tient devant moi. Merci à vous deux d'avoir vengé ma mort. Ben écoute de rien, hein. Une perte de temps. Eh ben, un vénôtre vestige corrompu, fantastique. Esprit délivré sur trois. Un coffre. Non, je ne peux pas tout défoncer, alors il faut aller trouver je ne sais pas quoi. Alors, il y a un truc là-bas. Mais normalement, il y a un truc en dessous aussi. Alors. Ah non, c'est pas des tyroliennes. Voilà. Ça fait je sais pas quoi, ça fait rien du tout en fait. Il y a un truc ici, hein. Ah c'est mystérieux, c'est très mystérieux. Je vais voir en dessous. Mais en fait, cette vidéo commence à se faire très long. Et donc je sens que je vais bientôt m'arrêter quand même. Et je vais voir en bas. Ah bah non, il y a rien en fait, hein. Il y a rien du tout.
Ce qui est bizarre quand même, parce que c'est quand même une grotte là. Avec des trucs. Ah. Bon écoutez les enfants, je vais m'arrêter là. Hein. On cherchera ça la prochaine fois, voilà. On a, je dirais pas bien avancé, mais on a avancé quand même. On a libéré des esprits, on a trouvé un autre coffre, ou deux, je ne sais plus. Et je sens qu'on est proche de la fin d'ouvrir ces portes qui nous mettront à la montagne. Fantastique. Allez, amusez-vous bien, et à bientôt.